Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea, dans lequel nous allons parler d'une télé-réalité, mais cette fois-ci je ne pense pas que vous en avez entendu parler. Quoique, vu le scandale, peut-être que si. Normalement, cette vidéo sort le dimanche 8 mai et fait office de Spotted. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, les Spotted sont des condensés d'actualité en voix off, mais quand j'ai une petite actu comme ça, je préfère vous en parler de vive voix. Tout ça pour dire que ça va excuser la courte vidéo d'aujourd'hui, mais bon, regardez ma chaîne, les trois dernières duraient 30 minutes. Donc pour une fois qu'il n'y a que des longues et peu de courtes, je pense que ça fait plaisir. Mais quoi qu'il en soit, avant de rentrer dans la vidéo, comme d'habitude, prenez votre petit café ou votre petit thé, likez cette vidéo, commentez avec le hashtag STT, abonnez-vous à la chaîne, et sans plus tarder, let's get into the tea. Alors, je pense que en voyant le titre, vous avez dû vous dire « Mais Rudy, si, t'es gay ». Mais en fait, l'émission « I'm not gay » est une émission de télé-réalité qui vient d'émerger sur YouTube et qui a été faite en Russie. Sans entrer dans les détails parce qu'on va y entrer assez vite, cette émission est animée par un politicien russe qui est de la droite, extrême droite même, il me semble. Je crois que je dis des bêtises, je crois qu'il est seulement de droite. On va pas faire d'amalgame ou quoi. Hein. Cette émission s'appelle donc I'm Not Gay et elle a pour but en fait de trouver le gay dans l'émission. En gros, c'est une émission de télé-réalité où je crois qu'ils sont filmés assez souvent quand même. Il y a 8 hommes ou 8 hommes. Oula, c'est quoi la bonne liaison? Quelqu'un peut me le dire dans les commentaires. Mais bref, il y a 8 personnes qui sont en concurrence les unes contre les autres et le but est de trouver la personne gay à l'intérieur de ce groupe pour gagner de l'argent. Et en fait, pour ce faire, il y a beaucoup de jeux classés sur des stéréotypes, bah, du style de tout ce que les personnes ont en fait en tête quand ils pensent aux personnes gays, mais surtout dans ce pays, mais on va y revenir juste après. Et c'est pour ça que ça a fait beaucoup réagir, mais même moi, je pense personnellement que le concept de l'émission en lui-même ne me plairait pas dans le sens où ça fait vraiment chasse à l'homme, tu vois, genre retrouver le gay. Enfin, c'est trop bizarre, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas où est Charlie, là, c'est vraiment traquons le gay et trouvons-le. Après, ce n'est que mon avis, et peut-être que justement, vu que je suis une personne homosexuelle, je me sens plus touchée et plus concernée, et par conséquent, je me vois mal, genre dans ce genre d'émission. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je vais mettre mon téléphone en mode silencieux parce que là, c'est pas ouf, hein, niveau professionnalité. Mais vraiment, tout ça pour dire, moi, je pense que je pourrais pas du tout vivre ce genre d'émission, mais bref, ce n'est que mon avis. Je vous lis le concept. Le candidat qui identifie correctement la personne homosexuelle gagne 2 millions de roubles, soit 29 000 dollars environ. Et le participant gay gagne l'argent si lui passe à travers les failles du millet. Les failles du millet, oh my god, les mailles du filet, oh, je suis fatigué. Mais bref, s'il passe entre les mailles du filet et qu'il arrive au bout de l'émission sans se faire prendre, sans jeu de mots, et ben il a gagné de l'argent. Mais comme je vous l'ai dit, cette émission a fait énormément polémique. Il me semble qu'il n'y a eu que 2 épisodes sur YouTube parce que tout a été enlevé, je vais y revenir. Mais il me semble que pour l'instant, il n'y a eu que 2 épisodes et ça a fait beaucoup parler. Déjà, le concept en lui-même, qu'on soit clair, vous êtes 8. Mais je sais pas, c'est pas genre trouver l'imposteur. En vrai, c'est vraiment chasser les gays. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Est-ce que je suis le seul à trouver ça chelou ou pas? Enfin, vous pouvez pas répondre, on n'est pas en live, mais dites-moi si vous trouvez ça bizarre, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression d'être le seul à me dire qu'il y a un problème dans le concept. Je sais pas, je sais pas. Et comme je vous l'ai dit, donc il y a énormément de défis assez stéréotypés pour essayer de faire craquer le gay et de trouver qui est la personne homosexuelle de cette émission. Par exemple, il y a des défis comme avoir des sortes de lap dance sur les genoux faites par des hommes et des femmes pour voir si la personne qui prend le lap dance, je sais pas comment on dit ça, la personne qui regarde le lap dance, la personne qui est assise, mais qui n'est pas les viewers autour, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas cette personne, on doit voir si elle est gênée, si elle a l'air un peu plus excitée avec l'homme ou avec la femme, enfin vraiment des trucs comme ça, mais je trouve ça aberrant, mais bon, ce n'est que mon avis. Il y a aussi d'autres défis du style toucher les fesses pour voir si ça a des réactions, venez tripoter, etc, etc, des câlins, des bisous, enfin moi je trouve ça vraiment sauvage en fait, c'est vraiment, enfin je sais pas, j'ai un problème avec le concept, mais j'espère que c'est pas que moi, et pour le coup cette vidéo elle est très biaisée, je vous l'avoue. Alors, d'après certains
journaliste russe, l'émission n'est pas seulement une émission poubelle, étant donné qu'elle fournirait une étude assez fascinante sur la Russie à l'égard de l'homosexualité, de la masculinité et des groupes LGBT en fait. Comme je vous l'ai dit, les deux premiers épisodes ont été diffusés sur YouTube avant d'être retirés pour violation de la politique de YouTube en matière de harcèlement et d'intimidation. Je pense que ça veut tout dire et que YouTube a très bien fait son travail. Mais il faut savoir que chaque épisode respectivement avait environ 500 000 vues, donc les deux au total ont eu 1 million de vues. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui ont dit que en fait c'était un énorme stratagème mis en place par la Russie. Je pense qu'ils sont partis un peu loin, mais c'est une théorie donc je vous l'ai dit. Mais il y en a beaucoup qui pensent dans les journaux russes que cette émission de télé-réalité est en fait un stratagème pour faire du buzz sur la Russie avec ce nom et un peu oublier les gros conflits qu'il y a en ce moment. Et il y a d'autres journalistes qui vont dire que c'est juste tout simplement pour confirmer quelque chose par rapport à la Russie, c'est qu'elle est très très différente des autres pays d'Europe concernant la cause LGBT, les homosexuels, etc. Mais on va vite rentrer là-dessus. Je pense que je ne peux pas ne pas vous parler du cofondateur de cette télé-réalité. Il s'appelle Vitaly Milonov et c'est un des membres de l'État russe et surtout un législateur d'extrême droite. Ah, donc c'est extrême droite. Par exemple, il a essayé et réussi à faire une loi en 2013 en Russie interdisant la propagande gay. Donc en gros, on ne pouvait plus parler de la cause homosexuelle, on ne pouvait plus la mettre en avant, etc., etc. Voilà, ça vous laisse un petit peu le type de personnage. Mais vous inquiétez pas, je sais qu'il y a une dualité entre la personne et le concept, on va y revenir. Il faut savoir qu'il a aussi proposé une loi pour castrer toute personne homosexuelle en Russie. Je n'ai pas compris, mais d'accord, c'est horrible. Même moi, j'ai beaucoup de mal à castrer mes animaux. Donc, castrer des personnes sans leur consentement parce qu'ils sont homosexuels, ça va un peu loin, monsieur les Russes. Vitaly Milonov est extrêmement connu pour faire ce genre de, j'ai pas envie de dire de blagues, mais de remarques en fait qui sont vraiment méchantes, qui sont cruelles et qui sont horribles envers des communautés. Il faut savoir que dans un documentaire qui est sorti sur la BBC, quand on lui a demandé s'il trouve que les homosexuels sont dangereux, il a répondu ceci. Un morceau de merde n'est pas dangereux mais assez désagréable à voir dans la rue. L'homosexualité est dégoûtante, l'homophobie elle est belle et naturelle. Est-ce que on vit à des années-lumière d'eux ou... En soi, c'est juste des gens qui vivent leur vie, on fait de mal à personne. Bon, moi je fais un peu plus de mal à Skip parce que je porte une perruque et que je blesse des yeux. Il faut savoir qu'en 2014, il avait aussi reparlé des homosexuels en disant « Que pourra-t-il nous apporter? Le virus Ebola, le sida, le gonorrhée, ils ont tous des liens bizarres entre eux. » Voilà, c'est génial. Pour en revenir un peu à la Russie, je tenais à vous préciser que l'homosexualité est légale là-bas depuis seulement 20 ans, 1993. Oui, oui. Est-ce que c'est moi qui trouve que c'est super tard? Et encore, je vous dis ça, mais il faut savoir que de nos jours et toujours aujourd'hui, il y a énormément de personnes LGBT qui souffrent de problèmes d'intégration, de problèmes sociaux, et surtout de beaucoup... C'est quoi le mot? De dénigration, de dénigrance, ils se font dénigrer, et même au niveau de la loi et tout, enfin, il y a plein de trucs. Renseignez-vous, je vous mettrai des articles dans la barre d'infos, c'est un bordel. Mais par exemple, la Russie n'offre aucune protection contre la discrimination aux personnes LGBT, et surtout les crimes faits de haine par rapport à une orientation sexuelle, à une identité de genre ou quoi, ne sont pas punis ni interdits en Russie, c'est génial. Genre moi là, si je vais en Russie comme ça, je peux me faire taper, etc. Il ne se passera rien, quoi. C'est génial. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une grosse dualité entre le concept et la personne qui est animateur, co-animateur de cette émission. C'est que cette personne dit littéralement que les homosexuels, ils préfèrent ne pas les voir parce que nous sommes du caca. Et que ça fait mal à voir, c'est pas dangereux, mais c'est malheureux. Mais du coup, je comprends pas comment tu peux animer une sorte d'émission pareille en disant ça et en traquant le gay, parce que du coup, ça veut dire que la personne, elle va sortir avec une notoriété de cette émission et avec l'étiquette « je suis gay » dans un pays où il y a plein de misère pour les personnes LGBT, où c'est vraiment grave, en fait, d'être libéré d'expression physique et tout là-bas, parce que si tu l'es, tu peux te faire tuer, littéralement. Ou du moins frapper et tout ce que vous voulez. Donc je trouve l'émission dangereuse pour la personne homosexuelle, je trouve l'émission dangereuse pour les autres qui y participent parce qu'il suffit qu'il y ait un bisou, un regard ou quoi, tu vois. Genre même pour un défi, et ça peut très bien s'apparenter à autre chose pour eux, et peut-être que cette personne veut aussi se faire descendre physiquement, mentalement, vous avez compris. Donc je trouve que le concept est très très dangereux en vrai, mais ce n'est que mon avis. Je voulais terminer cette vidéo par vous résumer un petit peu un article que j'ai trouvé et qui dit que, en fait, être homosexuel, gay ou quoi, c'est mal vu là-bas parce que déjà, ils ont le cliché, le cliché moi, en fait. Enfin, même pas parce que je parle pas, j'ai pas beaucoup de manières, je trouve, mais eux, ils ont un cliché vraiment du gay à manière, tout simplement.
Et en fait, apparemment, ça ne collerait pas avec l'image que Poutine instaure, parce que le président Poutine est quand même quelqu'un d'assez froid, d'assez dur. Il n'est pas gay et il n'a pas l'apparence dingué selon les clichés. J'espère que ma vidéo va être bien prise, hein. Je veux pas de haine encore. Mais bref, vous avez compris. Et en fait, apparemment, d'après les articles que j'ai lus là sur ce sujet, parce que je voulais regarder par rapport à Poutine, apparemment, en fait, l'image de l'homosexuel, elle est vraiment mal vue parce que Poutine a cette image d'homme fort, d'homme froid, etc. Et les gens veulent se reconnaître là-dedans, donc dans une sorte d'hyper-masculinité toxique, j'ai envie de dire. Et par conséquent, si tu es différent, tu seras très très mal vu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent contraintes de devoir quitter le pays, de devoir fuir le pays. Et c'est grave, encore une fois. Et je pense qu'en 2022, il faudrait peut-être évoluer là-dessus. Mais c'est pour ça aussi que je pense que cette émission a pu être, genre, pas une mascarade, mais une sorte de voile à rajouter sur la Russie pour ne pas parler des gros conflits actuels qui persistent et dont on parle un peu moins, je trouve. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette très courte vidéo actu de ce qui se passe un peu. Normalement, il n'y a pas de compilation de tweets dans celle-ci parce qu'au moment où je l'ai écrite, j'en ai pas trouvé en français ou intrigant, intéressant, etc. Mais j'essaierai de vous en mettre au montage s'il y en a, donc peut-être que vous les avez déjà vus. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Mon script était très court, j'espère que la vidéo n'a pas duré 5 minutes non plus. Normalement, j'essaie de les faire durer quand même 10 minutes pour vous, que ça soit agréable à regarder et bien fluide. Si vous voulez mon avis sur tout ça, je pense que cette télé-réalité ne va pas faire long feu. Je pense aussi qu'elle est très dangereuse, comme je l'ai dit, et enfin, je trouve ça dommage, encore une fois, de toujours traquer des personnes parce qu'elles ont une origine, parce qu'elles ont une identité de genre différente, parce qu'elles sont différentes tout simplement des moules ou des standards de tel pays, telle culture. Enfin, stop quoi. Mais je vous jure, pour moi, c'est vraiment genre, t'as des pinceaux dans une boîte, va chercher le pinceau qui est pas comme les autres et venez, on le regarde et on l'analyse et pourquoi il est comme ça. Enfin, c'est chiant en fait. Mais encore une fois, ce n'était que mon avis pour cette vidéo. N'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires avec le hashtag STT. Oui. Like la vidéo si elle t'a plu. Mets-moi un emoji, n'importe lequel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'emoji. Allez, on part sur un emoji fleur. Celui-là, là, j'aime trop cette fleur. En ce moment, je la mets partout. En ce qui me concerne, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous, vraiment. Faites très attention, que vous soyez LGBT ou non. Faites attention à la vie en général. En ce moment, je trouve qu'elle est très dure. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Ça fait beaucoup de je vous dis. Mais je vous dis encore bisous. And love you guys. Ce n'est que du love. Ça fait beaucoup de love aussi. Écoutez, je viens de boire du café à gogo pour vous filmer des vidéos là. Donc c'est normal que je sois un peu à l'ouest. Ma bise. Si j'arrive à quitter. J'ai pas dit mon c'était Gossip Prude. C'était Gossip Prudy avec des cheveux. Et la vérité, j'ai mis une pince derrière. Hein. J'essaie de faire des petites coupes maintenant pour vous. Notez cette coupe sur 10. Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas noté mes looks. Bon, là, c'est un peu cassé parce que Blue mange tout. Mais notez mon look sur 10. Pour ceux qui sont toujours là, hein, les meilleurs restent jusqu'à la fin. Ils le savent. La bise. Si j'arrive à quitter encore une fois.